Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight. Bon, bien voilà. C'est sur ce spot qu'on va fêter les fêtes de fin d'année. Hop. On a Annabelle juste à côté de nous. Il y a Stella et Seb. Régine, Christian, Christiane, Leslie. J'en oublie un. Je sais plus. Patrick, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et là-bas, il y a Julien qui pêche. Et d'ailleurs, il a réussi à pêcher un poisson. Alors Ninon, elle est avec Annabelle dans le CC, dans son nouveau camping-car. On va aller voir le poisson. Ah, ça c'est le petit poisson. Voilà, notre copain le poisson que Julien a pêché. Il essaie d'en pêcher d'autres, mais je ne sais pas si ça va mordre. Regardez-moi ça. Kodak qui fait des misères. Ah. Joyeux Noël à tous, hein, déjà on avance. C'est demain, mais... Enfin, demain c'est le réveillon. On va profiter. On va profiter. Bon, et bien là on est pas très loin de notre spot. Et regardez-moi le paysage. Ninon, tu recules s'il te plaît. Merci. Il y a quelqu'un qui fait du paddle, quoi. Alors on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quasi tout le monde avait un kayak. Ah oui, bah moi j'en ai pas, mais il y a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 places. Oui, il y a 9 donc, places. Demain, on peut aller voguer. Ouais, c'est ça, pagayer. Ouais. T'es bien au soleil là maintenant? Coda! T'as été voir les ruines qui sont là-bas? Non. Pas une carotte, Coda! Alors, aujourd'hui, réveillon de Noël. On se réveille de nouveau avec le soleil. Ça, c'est génial. Et tout le monde va aller faire du kayak, même Ninon. La seule qui va rester ici, c'est moi. Connaissez mon amour pour le kayak. Il est inconditionnel. Gros sarcasme. Du coup, il y a 3 kayaks, donc il y a 9 personnes qui vont partir. Il y a Seb qui est en train d'un petit peu galérer avec son kayak. Plus vite. Voilà, ça rigole bien. Moi je vais rester et je vais peindre. Je vais peindre un petit peu. Donc voilà. Je vais essayer d'un petit peu rattraper mon retard avec une super belle vue. Je vais abandonner mon bébé. Non, ça va, elle aime bien en plus. Donc voilà, donc 3 kayaks. Ninon qui a trop hâte. Mais là ça discute technique, hein. Kayak, c'est comme les voitures, c'est comme les motos, ça discute technique. Il y a Maya là. Hop. Il y a tout le monde qui va partir.
se balader. Moi, je vais rester sur le camp pour surveiller. Bon, ben, après notre petite balade en canoë-kayak sur la Méditerranée, très sympa, on arrive sur cette petite plage, petite crique. Et alors là-bas, il y a une grotte qu'on va explorer. Moi, je pensais à la base qu'on rentrait dans la grotte avec le bateau, avec le kayak. Mais non, ouais, toute la petite bande est là. Je filme pas trop parce qu'il y a des gens qui veulent pas être filmés. Mais je sais pas si la grotte elle est là-bas ou si c'est par là. Regardez ce rocher comme il est magnifique. Hop, tout le rocher, la petite plage, les kayaks. Et vous voyez, il y a un trou dedans, c'est trop beau, une arche. Voilà, on se sent privilégié quand on est dans des endroits comme ça. Allez, on va aller voir ça. Allez, on rentre dans la grotte. Hop. On a les lampes. Bon, bien sûr, il y a plein de déchets. Si t'en veux une, j'en ai une. Hein. De lampes. Tiens. Prends ça là. Bon, c'est la grotte-grotte, hein. Non, c'est étonnant pour une grotte qui fasse pas froid. Ah, il y a des déchets partout. Il y a des déchets, des canettes, même ici dedans, quoi. Ah, c'est beau, ça. Oh, ouais. C'est vraiment beau. Regardez ça, les concrétions. Alors, je suis désolé, vu que c'est des lampes LED, ça va faire effet stromboscopique, malheureusement. Ouais, c'est très très beau. Allez, on continue. Regardez tout ça, tous les cristaux. Ça brille. Enfin, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, ça rend pas bien en vidéo, surtout avec la lampe qui fait effet stromboscopique. Et là, tous des cristaux. C'est pas du sel. Donc, c'est pas c'est quoi. Voilà, c'est la voûte. Donc on ne sait pas c'était quoi avant ici. On va essayer de regarder. Il y a des ruines d'anciennes usines au-dessus. Mais on ne sait pas à quoi ça servait. Pourquoi il y avait un tunnel qui allait jusqu'à la plage? Bonne question. Non. Prêt pour l'aventure, peur de rien. Quoi? J'ai dit que t'as peur de rien. Je dis aux abonnés que tu n'as peur de rien. Tu fais coucou? Coucou. Alors voilà, on est ressorti de la grotte sur cette magnifique petite plage. J'ai pris un peu de hauteur, regardez comme c'est beau. La grotte est là. Alors c'est marrant parce que la pierre, c'est vraiment des couches fines. Et ça part en miettes, regardez là, ça part tout en miettes, et ça finit par terre. Et dans la grotte, avec l'humidité, ben, ça fait comme de la poussière, de la poudre. Très bizarre, je sais pas c'est quoi comme roche. Et voilà, on a retrouvé le jour. Il fait bon dans la grotte, il fait ni trop chaud ni trop froid, mais il fait quand même meilleur en plein soleil, je vous le dis. Voilà. Par ici, hein. Oh là là, ça fait du bruit. Alors, regarde, il y a l'eau qui vient. Ouh. Oh là là. C'est un beau spectacle, ça. Écoute. Oh là là, c'est le souffle du dragon. Bon, papa, il va rentrer un peu. Non, non, non. Ah, ça sent la mer ici, hein. Je vous le dis. Hein. Wow. Je suis sûr qu'il y a moyen de ressortir par l'autre côté, mais je vais pas le tenter. Hein. Ça, hors de question. Je vais venir voir.
Je suis tout mouillé, ça y est. Allez, on ressort. Allez, viens, on va voir l'autre côté. On va aller voir là. Waouh, regardez ça, comme c'est beau. C'est trop beau, oh là là, quel bonheur. Et à mon avis, l'eau, elle rentre par là-bas. On l'entend claquer. Regardez l'eau comme elle est belle, comme elle est limpide. Transparente, les petits cailloux, il y en a vraiment des beaux. Maintenant, on dirait vraiment des perles, quoi. Mais l'eau, elle est vraiment belle. Alors, désolé, je parle un peu la bouche pleine. Régine nous a pris un petit casse-croûte. Un rocher coco délicieux. Mmh. On est vraiment bien, là. Wow. Une petite cabane, il n'en faudrait pas plus. On entend là-bas aussi l'eau qui rentre dans une grotte là-bas. Regardez là-bas la maison. Comme ils sont bien installés, ils sont juste sur une petite plage privée. Il y a des ruines tout autour. Et nous là-bas, on navigue. Les canoës sont là. Hop. C'est pas mal. Alors pour vous dire, là, on est le 24 décembre. Donc c'est le réveillon de Noël. Donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. De bonnes fêtes. On le redira sûrement, on fera sûrement une petite vidéo rien que pour ça, mais je vous le dis déjà. Regardez ça. Je suis en t-shirt. On fait un tour en kayak sur la mer. Il fait magnifique, franchement. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait un jour. Quoi. Pouvoir faire les fêtes. Loin de la Belgique, bon maintenant on est loin de notre famille et bah oui, il nous manque quand même, tu vois, on aimerait bien être près de nos proches. Mais bon, cette année-ci, on va faire Noël avec une autre famille, la famille de la route. Et voilà, ça va être chouette, ça va être sympa. Et on aura bon, je vais pouvoir aller me baigner. Je n'ai pas encore fait aujourd'hui, mais je vais y aller après, quand on sera revenu sur notre spot. Après notre bonne balade en kayak, j'irai me baigner. Ça fera du bien. Parce que mine de rien, le kayak, c'est physique. Hein. Faut pas l'oublier. Allez, je vous fais de gros bisous et passez de bonnes fêtes et soyez heureux. Essayez de réaliser vos rêves. Il n'y a pas de barrière. Les seules barrières dans la vie, c'est celles qu'on se met. Non, non, c'est pas un malaise. Ce soir, je me sentir pas bien. Eh bien, nous poser pour la nuit, c'est Noël. On voit pas grand monde, mais oh, il y a le feu. Alors là, il y a plein de gens. Et ce soir, ça va être grillade avec tortilla. Voilà. Festif, tous ensemble. On s'amuse. C'est la fête. Et non, t'es pris au pied. Joyeux Noël à tous. Pour les biscuits et les carottes ainsi que le verre de lait. Ça m'a fait beaucoup de bien durant cette longue nuit de Noël. Joyeux Noël à toi et à toutes et à tes parents. Père Noël. T'as vu, t'as fait un tour. C'est cool ça, hein? Oui. Allez, tu choisis lequel en premier. Non, ça c'est à maman. C'est pour maman. C'est pour moi ça. Tu peux le déchirer. Alors toi, tu peux donner celui-là à papa. Papa, ton cadeau. Merci, mon cœur. Et joyeux toi... Noël. Ah oui, moi je sais. Celui-là, c'est le plus grand. On ouvre le plus grand Tu choisis celui que tu veux. Voilà. Eh ben dis donc, les lutins, ils emballent bien. Une baguette magique. Waouh! Elle est belle, hein? Tu peux l'ouvrir? Oui. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman.
Alors... Et ils sont doués hein, au royaume des lutins. Waouh, elle est jolie comme tout. Oui. Tu veux ouvrir autre chose? Vas-y. Deux livres. Oh, c'est quoi l'autre? Azuro et l'œuf mystérieux. Et l'autre c'est quoi? Et la pierre des quatre saisons. Mais c'est ce qui nous manquait. Oui. C'est ce qu'on n'avait pas. Je sens qu'on va lire de bonnes histoires ce soir. Tu peux lire la pierre. Ah, celui-là, c'est vrai que tu le voulais. Ça parle de quoi? Les saisons, l'amitié et l'aventure. Et sur celui-là, c'est les créatures fantastiques. Oui. L'aventure et l'amitié. Bon, on lira ça ce soir. Oui. Oh, regarde, il y a une sirène. Oui, il y a même des lutins. Waouh, je sens qu'il va être bien celui-là. Ouh là là, t'es sauvage, chérie. T'as des envies? Oh là là, t'as de la chance, hein. J'attends, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est des Polly Pocket. Ah, il y en a plusieurs. Polly Pocket. Ah, maman, elle a connu ça quand elle était petite. Waouh. Alors, il faut qu'on te dise quelque chose, Ninon. Tonton Idriss, il a fait une petite liste aussi au Père Noël et il a demandé des Polly Pocket pour toi. Donc visiblement, Père Noël a écouté Tonton Idriss et les lutins ont créé des petits Polly Pocket pour toi de la part de Tonton Idriss. C'est chouette ça, dis donc. Et ça, maman, c'est pour papa. Ah, on veut d'abord les cadeaux. Mystère, mystère. Ah, Julien. Merci, Père Noël. Waouh, il est trop beau. Il est grand, il est beau. Et il des ailes. Il est fort. Il a des belles ailes. Charizard. Et Ninon. Oh, qu'est-ce que t'es trop kiki. Ah ouais, t'as reçu plein de licornes, toi. T'as reçu plein de licornes. Oh, une fée. La reine des fées. Encore été bien gâtée. Mais ça va. Une petite robe aussi. Eh ben dis donc. Bon ben moi je vais ouvrir mon petit cadeau aussi. Bon, lendemain de Noël. Annabelle a décidé de prendre le kayak pour partir en expédition pain. C'est magnifique. Bon ben... Ils ont pris l'eau. Bon bah ils ont pris l'eau. Mais ça a l'air d'aller. Allez, un deuxième essai. Bon bah tu montes là. T'arrives à remonter là. Non, je pense que c'est le tour de pierre de retour et je le dirige vers le large. Voilà. Heureusement qu'on s'est pas cogné la tête contre un talus, imagine. On a des bons réflexes. Alors, ah, t'as vu hein. Quand t'as laissé mouiller, bon, t'as pas laissé tomber, t'as vu. Alors, je tiens à dire que c'était magnifique. Pas de mouvement brusque, voilà. Voilà. Tranquille. Ah, on y est. Elle est belle, hein. Eh ben tombe pas. Allez, à tantôt. L'arrivée est moins drôle que le départ. Hein. C'est fini qu'à
attention. Attention méduse. Ça va, t'as eu le temps de sécher? Je suis trop. Change-toi vite parce que Régine elle est malade. Hein. Quoi? Ah ouais, Régine elle est malade de son expédition d'hier, elle a un rhume et tout quoi. Parce qu'elle a été mouillée donc. Ah mais moi c'était intégral moi. Ah bah va te changer. Un peu avec tout ça là. Regarde, j'ai des frissons. Même ta chair de poule, je le vois. Ah oui. On a du pain au moins avec cette histoire. Non, c'est pas arrêté. Ah bah d'accord, merci. Jusque là-bas et après on est revenu. Regarde, non. J'ai même encore du sel sur mes lunettes. Je veux y aller à travers. C'est une bonne expérience. Ah ouais, on a bien filmé, on a bien filmé. Et tout le monde a vu, tout le monde s'est marré. Écoute, il y avait de quoi en même temps. Ouais. Mais bon, ça fera des bons souvenirs et puis j'ai hâte de voir les images. Ouais, franchement, tu as de l'air. Alors il y a Yoko qui est sorti et il a failli se faire manger par Ricky. Heureusement que Régine est intervenue. Mais Yoko qui sort pas d'habitude, ben là, pff, va dehors. Et généralement, il se planque sous le camion. Hein, Yoko ? Yoko ? On découvre le monde ? On découvre le monde ? C'est bon. T'as la confiance, ça fait plusieurs jours qu'on est sur place, t'es tranquille. Va te balader. Va te balader. J'ai pas dit ça. Alors on a des pêcheurs là qui sont venus nous offrir du poisson. Et tout le monde se régale, il est délicieux. Donc ils sont là-bas derrière. Ouais. Hop. Ils sont là-bas, ils se sont installés, ils ont fait un petit feu, ils ont pêché leur poisson, ils l'ont grillé. Et du coup... Ou alors ils sont venus nous en donner. On se régale.